Elle indique les prochaines planètes qu'Onglesal va piller. Il veut voler toutes les planètes identifiées par un sigle serpilleur. Exactement! On organise une mission pour aller avertir les habitants de ces planètes qu'Onglesal va les piller. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'apprendre une formule de politesse trottienne. J'ai demandé à parler à la reine des trottiens pour savoir si les trottiens accepteraient de participer à la mission avec nous. On ne peut pas y aller avec l'argot. Les serpilleurs surveillent nos moindres bruissements de feuilles. Ah, c'est pour ça que tu portes une tunique trottienne. Mais pas le choix. Bon. Batoc, troc, cloc. C'est tellement difficile. Tu devrais aller demander de l'aide à Alex. Elle est super bonne avec le langage trottien. Oh oui? Oh. Appelez Alex. Alex, j'ai un petit service à te demander. Et toi, qu'est-ce que tu fais? La première planète qu'on doit visiter s'appelle Cho. C'est une planète de glace, alors j'essaie d'habituer mon corps au froid, mais je pense que j'ai un peu exagéré. Mes racines sont complètement gelées. Ma main ne bouge plus. Salut, Ophélie. J'ai jamais eu autant de difficultés à apprendre une langue. Pourtant, c'est la partie facile. Le plus dur, c'est de dire les paroles tout en faisant le rituel du chasseur. Le quoi? Ben, si tu veux rencontrer la reine, il faut que tu apprennes le rituel du chasseur. Un genre de chorégraphie. Tu le savais pas? Non. Est-ce que c'est compliqué? Un peu. J'ai essayé de rejoindre Rufus pour qu'il nous aide. J'ai un fichier avec la description des mouvements qu'il m'a donné. Ah! Levez les bras dans les airs tout en écartant les jambes. OK. Descendre un bras à 45 degrés tout en frappant au sol avec le pied opposé et en disant les paroles suivantes. Bla troc toc ba troc toc. Bla troc toc ba troc toc. Comme ça? Pas tout à fait. En plus, il faut que tu dises les paroles avec une voix très basse sur un air. Sur un air? Je me souviens pas lequel. Est-ce que c'est toi, Oops? Oui, Alex. Ici, Oops. Je suis tellement contente de te parler. On a besoin de toi. Ophélie veut rencontrer ta reine, puis elle essaie d'apprendre le rituel du chasseur. C'est difficile et compliqué, même pour un trottien. Peux-tu juste me dire l'air qui accompagne les paroles? Je suis tout près de votre vaisseau. Je peux venir vous montrer. Oh oui, c'est une giga bonne idée. La sève coule enfin dans mes racines. Même si vous les avertissez, ça empêchera pas Onglesal d'aller les voler. Non, mais ça va leur donner le temps de se préparer à affronter les serpilleurs et de cacher leur technologie. Bonne idée. Comme ça, quand Onglesal va aller leur rendre visite, il trouvera plus rien à leur voler. Exactement! Pas de technologie, pas de problème avec les serpilleurs! C'est vrai que les serpilleurs s'intéressent pas beaucoup aux peuples qui ont pas de technologie très avancée, comme les trottiens. Et c'est pour ça aussi qu'on veut que les trottiens nous aident. Bon, c'est maintenant le temps de recommencer à m'acclimater au froid. Attends, ma mère a un appareil pour aider les plantes à s'acclimater à différentes températures. Peut-être qu'on pourrait l'essayer sur toi. Mais où se trouve ce formidable appareil? Dans le vaisseau jardin. Tu veux l'essayer? Hey, j'en ai la cime qui me démange! Je ne peux pas tout de suite. Je dois attendre qu'Ophélie soit revenue. Je vais aller préparer ça au vaisseau jardin. Je t'attends. D'accord! Merci, hein, Baron!
minutes. Après ça, tu recommences de l'autre côté, mais après, je m'en souviens plus. Et cette mélodie-là me dit quelque chose. L'important, c'est que tu retiennes les paroles, parce qu'il faut absolument pas que tu te trompes devant la reine. OK, je vais être capable. Il le faut, hein? Des civilisations entières comptent sur nous. OK. Qu'est-ce qu'il fait dans les pâturages, celui-là? Zodias! Oups! Bloco Nemouk! Un vaisseau sur pierre est arrivé derrière moi! Ah, je sais, je viens de le voir! C'est Pig! Il ne me fait pas peur! Je vais le chasser d'ici! Non, non, non! Ce n'est pas une bonne idée! On ne veut pas créer de conflit entre les serpillères et les trottiens! Au contraire! Sinon, les serpillères vont se mettre à suivre les trottiens et on ne pourra plus accomplir notre mission secrète, hein? Alex m'a parlé de votre mission. J'espère que notre reine va accepter. Ouais, moi aussi! Oh, attention! Big remonte! Ne vous froissez pas les feuilles avec lui, d'accord? Laissez-moi faire! Qu'est-ce que les trottiens viennent faire sur l'argot? Calme le feuillage! Oups, c'est un invité des argonautes! Quel complot vous êtes en train de faire? On ne fait pas de complot! Je ne te crois pas, petit adorche. Dis-moi la vérité, sinon... Oncle Sal m'a donné plein de nouvelles fonctions sur ma télécommande. Il a trouvé ça sur une planète qu'il est allé piller. Et il m'a chargé, moi, d'en faire l'expérience. J'ai très hâte de les essayer. Mais une dizaine de vaisseaux serpillères s'en viennent par ici! Eh oui! Et qu'est-ce que je vous ai dit? On vous a à l'œil! Allez, parle! Viens, tu l'auras voulu, hein? Ça suffit! Ça va? Les trottiens sont plus forts que les rayons des serpillères. Ce n'est qu'un tout petit rayon chauffant, mais si tu veux, on peut augmenter la température. Vous n'allez rien faire. Oups, est en mission officielle. La reine des trottiens est à bord. Ah oui? Ah oui? Ouais, elle est dans la salle familiale. Ah bon? Mais aucun serpillard n'a jamais vu la reine des trottiens. Fais attention, il paraît qu'elle est très forte. Oui, mais j'ai quand même envie de la voir. Ça sent l'arnaque. Tu as raison. Je ne te crois pas. Je suis sûr que la reine des trottiens n'est pas ici. C'est vrai ce que Zodia se dit. Ouais, et elle ne serait pas très contente de savoir qu'un serpillard vient de s'attaquer à son garde du corps personnel. Mais si la reine est à bord, je veux la voir. Et on ne peut pas la rencontrer sans avoir demandé la permission. Oups, va voir si la reine est d'accord pour rencontrer Bigre. D'accord, j'y vais. Toc-toc-toc-toc-toc. Oups. Ça va? J'ai très chaud. Bigre est à bord. Est-ce qu'il est au courant de la mission secrète? Non, je ne crois pas. Mais Zodias lui a menti. Il a dit que la reine des trottiens est sur l'argot. Et Bigre veut la rencontrer. Quoi? Zodias veut que je me fasse passer pour la reine? Oui, je crois. Mais j'ai pas du tout l'air d'une trottienne. Peut-être que si vous portiez votre capuchon. Elle a même pas de roche dans le visage. Ouais, je bouge pas du tout comme une trottienne non plus. Je peux vous montrer. Je sais comment faire pour que t'aies l'air d'avoir des roches dans le visage. J'ai un masque dans ma chambre, puis on pourrait coller des pommes de terre dessus. Tu penses que ça peut fonctionner? Il faut au moins l'essayer. Pommes de terre non pelées. Je suis
dire qu'il nous cache quelque chose. C'est certain qu'il nous ment. Oncle Sale serait tellement fier de toi si tu arrivais à déjouer leur complot. Ah, tu as raison. Il faut que je trouve ce qu'il manigance. Ça suffit. Je suis sûr que la reine n'est pas ici. Vous, les argonautes, vous êtes toujours en train de jouer dans le dos des serpilleurs. C'est encore une de vos inventions. À l'écoute, Mao. Tout est prêt pour faire tes expériences pour t'habituer au froid. Très bien, parfait, merci. T'arrives bientôt? On se repart, terminé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'expérience avec le froid? C'est un jeu que Mao et moi, on joue. Je vous crois pas. C'est terminé. Les argonautes ont fini de rire des serpilleurs. Et puis, comment il va? Sa température baisse tranquillement. Tiens, essaye ça. En mettant ton capuchon, je pense que ça peut fonctionner. Je vais aller l'ajuster devant le miroir. J'espère que ça va fonctionner. C'est pas facile de se faire passer pour un trottin. Je savais que c'était une supercherie. Non, c'est pas ce que vous croyez. Je voulais dire que... Qui ose venir déranger la reine sans avoir d'abord demandé la permission? Oui, je suis désolé, je savais pas que vous étiez là. Partez immédiatement et ne revenez plus jamais m'importuner. Oui, oui, bien sûr, désolé. Il a disparu. C'est incroyable. Comment il a fait ça? Oui, Zodias. Oui, je sais, il vient de disparaître sous nos yeux. Ah oui? Eh bien... Zodias m'indique que le vaisseau de Bigre quitte l'Argo à l'instant. Bigre peut se téléporter maintenant? On dirait bien. Bon, je dois aller remplacer Zodias au poste de pilotage. Quand tu te sentiras mieux, viens me rejoindre là-bas. Tu pourras m'expliquer comment faire le rituel du chasseur. Oui, je vais venir vous rejoindre très... bientôt. Viens. La température de ton corps a encore un peu baissé. Je me sens un peu mieux. J'étais sur mon vaisseau lorsque mon fidèle compagnon Grubby m'a fait penser à quelque chose. Comment vous faites pour apparaître puis disparaître comme ça? Mais je me téléporte. C'est une nouvelle fonction de ma télécommande. Ça ne fonctionne qu'à courte distance, mais ça peut être très pratique. Donc, je disais, je suis sûr de t'avoir entendu dire... C'est pas facile de se faire passer pour être tien. Ce qui veut dire que toi, tu n'en es pas un. Bon, je suis enfin prêt, jeune pousse. Jig. Installe-toi dans le cercle bleu. Et qu'est-ce que ça fait? C'est un frigoflore. C'est une invention pour permettre à une plante de s'acclimater à différentes températures sans affecter les autres plantes du vaisseau jardin. Wow! Et j'ai seulement besoin de me planter là! Oui. Et je vais tranquillement faire descendre la température de l'air à l'intérieur du cercle. Oh! C'est pas trop froid? Non, là, c'est parfait! Et je dois réussir à m'acclimater à des températures encore plus basses si je veux partir en mission. Ouh. Mais si on veut que tu t'habitues, il va falloir y aller graduellement. Il y a une antenne qui est mal fixée. Ça fait un peu d'interférence. Est-ce que tu veux qu'on arrête? Non, pas besoin. Tout fonctionne bien pour l'instant. Je vais quand même aller chercher les outils dans l'atelier de mon père, juste au cas. J'active la fonction automatique. Si jamais il y a quoi que ce soit, t'as juste à donner une commande vocale pour l'éteindre. Ne te fais pas de mauvais air, mais je ne pousse. Tout va très bien. Vous voyez bien que c'est de la vraie roche. Oui, mais c'est peut-être un masque aussi. Appelez Ophélie.
Ça sert à rien d'essayer d'appeler tes petits amis, là. J'ai également une nouvelle fonction qui me permet de brouiller les ondes de communication. Maintenant, toi, avoue que tu portes un masque. C'est mon vrai visage. Je ne te crois pas. Et toi, dis-moi ce que les Argonautes complotent contre les serpilleurs. Je peux vous prouver que je suis un vrai trottien. Je suis capable de vous faire tomber avec une seule brigotte. Une brigotte, c'est... Non, peu importe. Essaye. Même pas mal. Si Oups est faible, c'est à cause de vous. Depuis que vous lui avez envoyé votre rayon, il crève de chaleur. Les trottiens ne supportent pas la chaleur. Donc, si tu es un vrai trottien, tu vas retrouver tes forces si tu as froid. Bien sûr. Très bien, je connais une façon de te refroidir. C'est maintenant qu'on va savoir si tu nous mens. Ça va? Fermez frigoflore. Mais qu'est-ce que vous faites? Nous sommes ici pour prouver que ce trottien est un imposteur. Comment ça fonctionne, votre machine? J'imagine que l'imposteur se tient dans ce cercle. Si on est capable de refroidir Oups, il va reprendre ses forces puis il va pouvoir prouver à Big que c'est un vrai trottien. Si je vous prouve que je suis un vrai trottien, vous allez nous laisser tranquilles. Et si je te prouve que tu n'en es pas un, allez-vous me dire ce que les Argonautes trament? D'accord. Blouk, blouk. Ouais, oui, bon, peu importe. Alors, viens ici, et vous, activez votre frigo machin. Je sais comment ça fonctionne. J'ai déjà vu Tante Eliana s'en servir. Enfin un peu de froid. Merci, Alex. Si tu es un vrai trottien, tu dois être capable de résister à des températures très froides. Vous allez tout casser. Vous avez brisé le frigo flore. Les portes de la serre du vaisseau jardin ont été fermées pour protéger les récoltes. Et le cosmo-couloir aussi a été fermé pour empêcher le froid de se répandre partout sur l'argot. Ça veut dire que... On est pris ici. Appelez Ophélie. À l'écoute, Bao. Ophélie, le cosmo-couloir pour aller au vaisseau jardin fonctionne pas. Oui, je vois ça. Toutes les issues ont été bloquées. J'essaie de joindre Zodias, mais il me répond pas. Et je vais essayer de voir ce qui se passe avec mon GS. Ophélie, une partie du vaisseau jardin est complètement gelée. J'essaie de l'ouvrir à partir du poste de pilotage, mais le cosmo-couloir répond pas. Tout est de ma faute. J'aurais jamais dû partir sans réparer l'antenne. Je suis incapable d'entrer en communication avec ceux qui sont dans le vaisseau jardin. Il y a quelque chose qui brouille les ondes. Je vais passer par l'ordinateur central pour communiquer avec eux. Je sais quoi faire pour régler les problèmes. Montre-moi ça, donne! Non! Vous avez juste à vous téléporter. Non, j'ai essayé, ça fonctionne pas à cause du froid. Allez, donne! Les enfants d'abord, lieutenant Big. C'est pas pour moi, c'est Grubby! Laissez-la! Ça va? Oh, il est gelé. Oh, c'est question que je finisse comme lui. Oh, qu'est-ce que c'est? Êtes-vous convaincu maintenant que je suis un vrai trottien? Oui. Oh non. Je suis tombé sur ma télécommande, elle est brisée. Oh, Ongle Sale va me jeter au suite. À l'écoute. Alex, c'est Bao. Bao,
on est pris dans le vaisseau jardin. Oui, je sais. Pour réparer le frigoflore, il faut juste que tu rebranches l'antenne sur l'émetteur. Ok, terminé. Dépêche-toi! Grubby, tente à geler, mais pousse-toi! Laissez-la tranquille! Sinon, car à vous! Si tu me retouches... C'est pas temps de vous chicaner! Il faut rester calme! Je suis incapable de rester calme! Grubby est gelé! Je vais prendre mes câbles de Oops pour vous calmer. Mes doigts sont gelés. Est-ce que tu peux replacer l'antenne sur l'émetteur? Oui. Merci. Est-ce que vous êtes convaincu maintenant que c'est un vrai trottin? Oui, mais c'est hors de question que je reste ici une seconde de plus. Grubby a déjà trop souffert. Merci, Ophélie, ça va beaucoup mieux. Est-ce que Bill est parti? Dès qu'on a ouvert le cosmo-couloir, il est parti aussi vite qu'une électroballe. Est-ce qu'il y a toujours des serpilleurs autour de l'argot? Ils nous surveillent de très près. J'aime pas ça! Je ne pourrais pas partir en mission! Les argonautes ont besoin de moi pour semer cette bande de pirates de l'espace! Mais c'est vrai que vous supportez pas très bien le froid. Je sais, mais il faudrait quand même quelqu'un pour accompagner les trottiens! Je peux y aller, moi, si la reine des trottiens accepte de participer à la mission, évidemment. Oups, c'est en communication avec la reine. Elle t'attend. J'espère que je me tromperai pas en faisant le rituel du chasseur. Ouais, c'est vrai que c'est difficile. Tu le connais? Ben, la mélodie ressemble à une vieille chanson terrienne, à la Clairefontaine. T'as raison. Nana Clairefontaine, m'en allant promener. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. C'est exactement ça. Quelle chanson formidable! Merci, Bao. Ça va vraiment m'aider pour le rituel. Bon, reste plus qu'à espérer que je me trompe pas dans les paroles. La reine a accepté que les trottiens participent à la mission. Je vais vous accompagner pour prévenir les planètes de la menace d'ongle sale. Je suis bien contente de faire cette mission-là avec toi, Oops. Mais le temps pressant, on n'a plus une seconde à perdre. Au revoir, Oops. À bientôt, Oops. On va se revoir très bientôt. Au revoir, Alex. Tu vas partir combien de temps? Je ne sais pas encore. On va essayer de faire ça vite. Bao. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Vous avez traduit les paroles de la chanson trottienne? Non, c'est les paroles d'une vieille chanson terrienne. Mais c'est ma mère qui a le rituel du chasseur. Je te les montrerai. Bon, allez. Au revoir tout le monde. Il y a du nouveau sur le site des Argos. Tape le squat.téléquébec.tv.